Que le Seigneur vous bénisse, c'est un grand plaisir de nous retrouver dans cette émission Une Minute pour Jésus. Et ce jour, nous avons à cœur de partager une exhortation avec vous sur le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 1. C'est le Seigneur qui parle Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. En fait, de quoi il s'agit Il y a une exhortation que le Seigneur était en train de donner à ses disciples, mais une exhortation relative à son départ au ciel. Et en s'adressant aux disciples, les cœurs donc de ses disciples étaient troublés, Jésus ayant découvert ce qui se passait en eux, donne donc ce message que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc pendant quelques minutes nous allons parler de certaines choses aujourd'hui qui peuvent troubler le cœur de quelqu'un. Souvent, les gens parlent d'un cœur qui peut être troublé en bien ou en mal. Mais le texte que nous venons de lire, il y a une information que Jésus avait donnée et les disciples étaient... Troublés. C'est-à-dire que dans leur cœur, il y avait certainement des sentiments d'inquiétude, des soucis, et Jésus vient pour donner un message que votre cœur ne se trouble point. Et parmi vous, tous qui êtes en train de suivre cette émission, certainement il y a des gens qui nous suivent, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Chacun vit ses situations, chacun a ses problèmes, chacun a ses préoccupations, et il arrive aujourd'hui avec tout ce que nous vivons, que ce soit dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos églises, il arrive que certaines informations viennent viennent créer pour ne pas dire susciter en soi euh, des soucis, des inquiétudes et on a des gens qui sont troublés, qui s'inquiètent sur beaucoup de choses et souvent on se pose la question de savoir mais qu'est-ce que je dois faire pour que mon cœur ne soit pas troublé. Jésus nous donne la réponse. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il a toutes les raisons de, de, de le faire. Pourquoi? Parce que un cœur troublé, vous savez quand le cœur est troublé. C'est difficile pour un homme ou une femme d'être équilibré, d'être fort, ou de travailler de façon, euh, de façon euh, je dirais, efficace. Parce que le cœur, quand il est troublé, je dirais, c'est toute votre personne qui est troublée. Quand le cœur, ça ne marche pas, on peut le sentir, on peut le constater dans votre langage, au niveau de votre regard, même au niveau de votre attitude, même au niveau de tout ce que vous allez faire. En fait, lorsque quelqu'un a le cœur troublé, je dirais qu'il y a des répercussions sur tout ce que vous faites. Alors Jésus ayant compris cela, il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi Parce qu'en fait, ils avaient reçu de Jésus un message. Euh, un message selon lequel Jésus devait passer à la croix, mourir et partir au ciel. Mais ils ne pouvaient pas supporter cette information. Donc peut-être que vous avez reçu une information, euh, ça peut être euh, concernant votre vie, concernant un parent, une parente, une personne qui est malade, ou par rapport à certaines choses que vous êtes en train de connaître aujourd'hui, euh, ça peut être un problème professionnel, un problème sanitaire, un problème sentimental, un problème psychologique, et au-dedans de vous, il y a ce qu'on appelle le désespoir. En fait, vous êtes troublé, vous êtes inquiet, et vous vous demandez, mais pasteur, que dois-je faire? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas, parce que souvent quand le cœur est troublé, ben on passe tout son temps à se plaindre, mais ça va rien régler. Passer toute sa journée à se plaindre, à se, à s'inquiéter, à parler. Bon, vous parlez à vos amis, vous parlez autour de vous, mais encore il faut trouver des bonnes personnes qui peuvent vous conseiller, qui peuvent remonter le moral, qui peuvent vous donner ce que j'appelle comme une bonne orientation. Sinon, lorsque le cœur de quelqu'un est troublé. Prenez l'exemple d'un homme ou d'une femme dont le cœur est troublé et la personne s'enferme et passe tout son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça va donner comme résultat Vous avez des problèmes concernant votre travail, des problèmes concernant la santé, des problèmes concernant les études, des problèmes concernant la vie, concernant la ville, concernant le pays, concernant l'Église, que sais-je encore. Et vous êtes là assis en train de vous plaindre. Ça ne va rien changer. Mais Jésus nous donne un message. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Jésus pour nous devient en fait comme, comme un appui. C'est comme quelqu'un qui a du mal à marcher ou qui a fait un accident. Et pour l'aider, on peut lui donner comme des béquilles, juste pour l'aider à retrouver l'équilibre. Et, et, et Dieu aussi est pour nous véritablement l'équilibre dont on a besoin aujourd'hui. Peu importe notre idéologie, peu importe quel est le type de foi que vous avez, mais que le Seigneur soit pour chacun d'entre nous cet appui. David pouvait dire L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ça ne veut pas dire que David n'a pas eu des problèmes il en a connu peut-être des problèmes même que personne d'entre nous n'a expérimenté dans sa vie. Quoi qu'il était roi, il avait des moyens, il avait des gens autour de lui, mais David a souffert, David a été humilié, David a été rejeté, David a connu pas mal des choses dans sa vie. Mais un jour, il s'est permis de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que la conclusion que David nous donne dans le Psaume 23 pourrait être pour chacun d'entre nous aussi une parole qui doit être pour nous comme une sorte de fondation, de socle, de fondement pour dire, Seigneur, j'étais inquiet, j'étais troublé, je me demander Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Mais à partir de cette exhortation que je viens de recevoir dans cette émission, une minute pour Jésus, je peux retrouver l'équilibre pour dire Seigneur. Au-delà de mes inquiétudes, au-delà de mes soucis, je reviens à toi parce que je sais qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. En tout cas, que ces quelques moments d'exhortation viennent donner à chacun d'entre vous une sorte de tonus, d'encouragement pour ne pas passer tout votre temps à pleurer, à vous plaindre, mais à revenir tout simplement au Seigneur pour dire Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi. Et c'est le message que Jésus a donné. Voilà pourquoi il dit Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi. En moi. Donc, quelles que soient les informations que vous avez reçues, quel que soit le type d'épreuves, des, des difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui, mais vous avez encore la raison de croire qu'avec Dieu, tout est possible. Et sur cette exhortation, euh, je reviens encore sur la suite, parce que quand Jésus dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent, peut-être vous n'avez pas fait attention, le texte que nous avons lu, c'est Jean, le chapitre 14, le verset 1. Mais je prends le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en avez le chemin. Vous en savez, autant pour moi, le chemin. Alors, dans, dans cette promesse que Jésus donne ici, de la place qu'il est allé nous préparer dans la maison de notre Père, et il a promis revenir, nous prendre afin que là où il est, nous y soyons aussi. Euh, ce qui est magnifique dans ce texte, c'est que Jésus nous donne une promesse Je reviendrai. Tout comme à toute personne qui le suit maintenant. Peut-être que vous êtes seul, mais Jésus dit Je reviendrai. Il connaît chacun de nos besoins chacune de nos préoccupations. Rien ne lui échappe. Même pendant que je suis en train de vous parler, peut-être vous dites, mais pasteur, oui, c'est vrai, vous parlez du cœur qui ne doit pas être troublé, mais vous ne connaissez pas ce que j'endure en ce moment, ce que je vis avec mes amis, mon mari, ma femme, mes enfants, ou que sais-je encore, mais c'est tellement fort, c'est tellement euh, infernal que je me demande si Dieu me connaît. Parce que souvent quand on traverse des moments difficiles, l'une des intentions, l'une des pensées majeures qui nous traverse, on se dit toujours... Est-ce que Dieu me connaît toujours Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné Est-ce que Dieu ne m'a pas tourné le dos non. Mais aujourd'hui, de la part de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne vous a pas tourné le dos. Même dans la nuit la plus sombre, il sait là où vous êtes, ce que vous traversez en ce moment. Et donc, je voudrais tout simplement vous encourager pour ne pas croire, peut-être que Dieu m'a abandonné. Non, il n'abandonne personne. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est vrai, quand on traverse des moments difficiles, c'est l'impression qu'on a que Dieu ne m'écoute plus. C'est comme si le ciel est fermé. J'essaie de prier, j'essaie de forcer, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Mais je voudrais dire à quelqu'un, même quand vous pensez que Dieu ne vous entend pas, il vous entend très bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait que parfois la réponse n'est pas euh, spontanée La réponse n'est pas, euh, je dirais même, rapide. Oui, mon cœur est troublé, je veux bien que le Seigneur me sorte de ce désastre, de, de ce trou, de, 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 de ce chaos, de, de cette situation si, si, si compliquée dans laquelle je me trouve. Mais le secret avec Dieu, c'est quoi Le secret avec Dieu, c'est la foi. La foi, c'est cette confiance que l'on place en Dieu. Et tel que nous sommes en train de partager cette parole. Ça paraît simple. Mais c'est comme quand on va à l'hôpital, vous avez mal, vous allez voir un médecin et qui vous prescrit un traitement. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les études scientifiques pour comprendre. Mais il vous dit tout simplement, quand vous repartez chez vous, prenez tel produit le matin, à midi et le soir. C'est un exercice assez facile. Mais quand vous vous euh, exercez à le faire en suivant les instructions qui vous sont données, et à la fin, le résultat pourra être encouragé. C'est la même chose avec Dieu. Donc aujourd'hui, tel que nous sommes en train de parler, il n'y a qu'une seule chose que je vous demande c'est avoir la foi, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, ce cœur meurtri, ce cœur blessé, ce cœur inquiet, ce cœur qui est en train, je dirais comme de, de 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 se déchirer à cause de toutes les situations de la vie, mais dans cette émission une minute pour Jésus. Je peux dire, en une minute, Dieu peut faire pour vous ce que personne d'autre n'a réalisé. On n'a qu'une seule minute. Et pendant que nous parlons, alors que nous arrivons presque au terme de cette émission, une seule chose vous est demandée. C'est de dire à Jésus, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que cette parole que je viens de recevoir, tirée de Jean 14, le verset 1, qui dit que votre cœur ne se trouble pas, mais au sortir, Seigneur, de cette émission, que véritablement je puisse recevoir de Dieu la paix, l'équilibre, la joie et la consolation. Voilà, bien aimé, en quelques minutes, cette parole que nous tenions à partager avec vous. J'espère qu'elle vous a fait du bien dans cette émission. Une minute pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie si vous êtes malade, qu'il vous guérisse, si vous êtes accablé, qu'il vous délivre et qu'il fasse de vous quelque chose de merveilleux, afin qu'après cette émission, qu'un témoignage soit rendu en disant... Pasteur. En une minute, Dieu a fait pour moi quelque chose au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc, je suis euh, l'apôtre Bernard Dadier, donc des assemblées chrétiennes ACPS à Pointe-Noire, donc euh, situé au quartier Cuicou. Euh, plus précisément, donc la ligne 8, l'arrêt porte même le nom de l'église Arrêt-Assemblée. Donc, quand on est à Pointe-Noire, on dit ligne 8, arrêt-Assemblée. Nous sommes donc aux assemblées chrétiennes chez l'apôtre Bernard Dadier. ACPS. Et donc, dans cette émission que nous partageons, c'est Pactol, c'est une chaîne chrétienne qui aimait depuis la France et donc une chaîne qu'on aura l'occasion de suivre mais qui aimait déjà depuis euh, une bonne période et dont le monde s'est donc suivi par plusieurs personnes mais cette fois-ci c'est une chaîne qui va donc s'installer ici au niveau de Pointe Noire donc nous serons heureux tous ceux qui sont de Pointe Noire ou des environs de pouvoir suivre désormais cette chaîne chrétienne et je crois que ça va être vraiment un outil de bénédiction euh, que le Seigneur va utiliser pour fortifier et monter et faire connaître pourquoi pas des chrétiens, des artistes dans le cadre de l'évangélisation, des œuvres sociales et plusieurs autres choses qui pourraient être faites. Donc en tout cas, soyons, euh, comme qui dirait, euh, prêts à recevoir beaucoup de choses, mais pourquoi pas aussi à se servir de ce moyen, de cet outil que Dieu met à notre disposition. Que le Seigneur nous bénisse.